Suivez du lundi au vendredi des 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté Parole Masla Palé, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ses éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Téléclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Matin là, depuis hier dans l'après-midi, suite à la révocation de Jean-Tel Joseph à la tête d'ANAP, situation li évolué, gain en pile côté qui chauffé. Nous allons regarder juste avant que nous entrions dans l'analyse et partager avec vous des informations supplémentaires que vous-même déjà connaissez. Nous allons ajouter pour nous garder qui Jean Bagayouyé. Quittez-nous aller dans Henche, dans centre, nous connaissons qui Jean Bagayouyé, Blatou Central. Bagayou anti-Jean compliqué puisque nous connaissons, c'est central, c'est base centrale, c'est côté. Mais ça peut être plus concentré. Nous parlons avec Zaminou Job Berson. Et hier, Job, nous connaissons qui Jean Bagala lui-même lié, c'est la révocation de alors Jean-Tel Joseph qui est même dit dans TEP ANAP, ANAP qui est même coiffé et agence ça que nous avons parlé de l'IA BISAP qui font pile parler de l'IA. Ça fait longtemps en dedans PIA. Et donc, révocation ça lui fait suite à ensemble de bagailles. Et gain mouvement, gon sam de mouvement depuis hier, nous senti que bah la tijan compliqué surtout dans ville Kotoya, dans département Kotoya qui se hinche qui gens pour moment n'a parlé à la situation liée là-bas. Bon, effectivement, et Robin a vraiment fait un très bel rallye qui est assez intéressant et nous t'attend dans notre début émission. Effectivement, plateau central c'est côté Ntakadi et BESAP très actif. Mm-hmm. Donc, effectivement, hier, il y a une démonstration et des forces qui fait dans ville Inche et côté que monsieur Bessapio est dans la rue hier et dans une manifestation et côté que il y a vraiment un peu de monde là-dedans et nous avons constaté effectivement et présence et disons et ancien DG Anabla. Et qui c'est parce que Jean-Tel, c'est déjà sous place. Oui, bien sûr. Et il était là et dans la manifestation, effectivement, très bien entouré avec agent Bessapio dans ville Inche. Et finalement, monsieur Yo, après manifestation, yo ba yon discours et sous place là. Et côté que nous gagnons commandant et Jean-Baptiste, donc qui c'est yon nan moun qui très influent dans Bessap. Et dans le département, côté que lui parlait non seulement de ensemble des actions qu'il a posées dans la ville, côté qu'il a déclaré toute institution, l'État doit fermer, et finalement faire des démonstrations de matériel qu'il a à la disposition yo, pour que de toute façon, dans le jour qu'il a venu là, il a chaviré le gouvernement qui a venu là. Donc, nous avons gagné tout et nous avons gagné Jean-Tel et Joseph qui étaient là. Jean-Tel Joseph qui était là tout et qui exactement. Il prend la parole. Qui prend la parole, qui parlait des situations critiques pays. Il pensait que BESAP lui-même, il a un rôle pâle pour jouer dans la situation. Donc, il y a des annonces qu'il fait là, c'est qu'il a annoncé qu'il a campé et que. Révocation ça ou t'a dit ou pas fait au nicho ni fouette ou bien ou décider pour au camper face à gouvernement qui là il y en a qui gagné et par rapport avec déclaration et nous t'a dit commandant Jean-Baptiste ainsi que monsieur Jean-Tel Joseph hier donc c'est sûr que monsieur va faire battre mais gros bagage qui est assez intéressant tout et nous t'a regardé et Robin mais pense que ça qu'a fait là les exactement en répétition de en histoire donc si que nous considérer et comment pas qu'à dire la situation de 2004 mais même pas jamais oublié ça qui fait dans le département de la Caïmé et plateau central spécialement en juin et 2002 donc côté que t'es gagné vraiment un groupe armé de qui t'es assassiné et en famille dans Belader. Donc ça y est, nous regarder à action ça tout. Nous regarder tout et la situation de 2004
et au Gonaïve, donc dans nord-est tout, donc comportement yo. Donc et là et pendant ce qu'on arrive là pour profiter saluer un jeune garçon très sérieux l'Olbois qui c'est Jameson François. Donc pour me retourner côté que m'étais ensemble avec vous. Donc Bessap nous a dit que Bessap lui-même lui vient joindre on sait partie de population donc avec question canal là. Donc avec question canal là Bessap vient prendre confiance dans tête yo ouais. Et moi-même moi pense que et ça c'est exactement en situation de conflit interne. Conflit interne. Yeah. Et la question de Bessap, nous avons regardé comme une situation de conflit interne. Donc ça veut dire que le gouvernement qui l'a, il est totalement responsable, gouvernement Ariel Henry, il est totalement responsable de ce qu'il a fait là-haut. Donc nous avons regardé sous canal là, comment que, en quelque sorte, le gouvernement qui l'a méprisé donc, toute population qui était sous canal là, on va avoir une Bessap qui campait avec la population, hein, donc contre, et comme on a dit ça, en face. On l'a mis, donc qui plus équipé par ce yo, la savoir de République Dominicaine, la police nationale badien, le ouvrir une descente en quelque sorte qui campé. Et nous avons dit son corps, mais nous tous nous connaissons déjà, donc j'ai défini ces brigades des protégés, donc qui l'a protégé forêt yo, si nous avons exemple dans le plateau central, côté que monsieur vraiment qui responsabilité ça vraiment, l'orgue Péligue, l'orgue le cas de Bassin, l'orgue le cas de Sodo, donc vraiment monsieur qui travaille pour le faire. Mais qu'on y a là, donc, où t'as dit son corps que, en quelque sorte, ils ont méprisé. Et parce que c'est une erreur que le gouvernement a fait, le ministère, quand c'est que lui méprisé un corps qui porte des armes. Donc, un corps qui porte des armes. Et qu'on y a là, où va venir jouer que le Bessap qui prend confiance dans tête, qui croit que la population a besoin pour lui, et finalement, ils ont décidé de mettre pied à terre. On y a là, et ça lui même extrêmement important parce que hier, je t'ai regardé, M. Delfon, démonstration de monsieur dans le plateau central. Comment tu es par rapport avec. Alors, quand il y a quelqu'un qui parle de volume ZAM qui est dans monsieur, c'est pas petit. Donc, où tu as remarqué gros ZAM lourd, bagaille solide. Effectivement, Bessap nous a dit que moi-même, je suis un expert dans la question de sécurité, mais moi-même, ça m'a regardé, je regarde avec une connaissance que j'ai, Bessap équipé avec des matériels lourds. Et qu'on y a là, question pour nous poser là, c'est avec le gouvernement, ça, là, côté monsieur, je joue une arme. Côté finalement, ah, bon. Donc il y a une munition. Il faut une grosse question, ça. Il y a une grosse question à poser là, oui, Job. Yeah, c'est bon, même gouvernement à poser cette question. C'est une responsabilité, donc en termes de conflits internes. Donc, vous avez une bataille de sa place, ce bataille gouverne comme l'État avec l'État. Oui. Donc, oui. Nous-mêmes, comme citoyens, ça nous doit faire, nous devons questionner le conflit international qui a la base. Alors, Job, pendant qu'on va avancer sur le dossier, ça a gagné et on petit exprimé ce voilà qui t'a fait croire que DGA, hier, dans cette manifestation, a déclaré que lui-même, il prend contrôle, il a pris contrôle Grand Nord là et m'a dit à Guy Philippe pour prendre contrôle Grand Sud là. Ou t'es tendé ou qu'a confirmé mon déclaration comme ça? Monsieur, j'ai clairement dit que, donc, lui-même, il a exactement fait consultation d'abord. Donc, Bessap qui est dans le nord-ouest, Bessap qui est dans le nord-est, Bessap qui est dans la Tibonite, qui est dans le nord, pour tout rencontrer le plateau central, pour que de toute façon, et Guy Philippe lui-même, pour qu'il prenne contrôle le sud, pour que de toute façon, il y ait un Port-au-Prince. Donc, qu'on y a là, ça qui est important. C'est Grand Nord avec Grand Sud qui vient rencontrer dans Port-au-Prince. Grand Sud pour entrer Port-au-Prince. Okay. C'est ça, monsieur, et j'entends dire. Ok. Qu'on y a là, ça lui même lui est extrêmement important. Pour nous exactement garder la situation de sécurité de l'IA. Pour me souvenir, M. Robbins, nous ne pouvons pas vivre. Moi-même, comme jeune garçon qui est dans le business, imaginons que moi, j'ai des matières premières que j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de descendre pour le prix, je ne suis pas capable avec cette situation, bonne gabrit là, donc qui n'est pas possible. Donc, on y a là, l'homme vient jouer un Bessap qui dit que, il parle pour que de toute façon, il crase les gangs, il parle en quelque sorte. Gouvernement Ariel Henry qui là, qui va prendre rien, côté que tout le monde a plein, ça va veut dire rien, eh bien, on va gagner un cas de population pour que de toute façon, il n'y pas accompagné de ça dans ce qu'on fait là. Et c'est ça qui fait que hier, effectivement, il a dit son manifestation pas vraiment annoncée. Il a dit que c'est le monde qui vient dans la manifestation ça hier. Donc, population a été répondu à l'appel. Population répond à l'appel. Eh bien, c'est là où nous voyons que, en quelque sorte, la population n'est pas capable encore. Et M. Bessap a décidé d'accompagner la population. Et la population lui-même lui a une réciprocité. Parce que quand nous clair sur ça, et Robin, le pays n'a pas de sécurité. Vraiment pas de sécurité.
Donc, nous imaginons que, et je pense que ça, l'important pour nous analyser, oui, même les que je pense que nous avons dit 31, mais l'important pour nous regarder ça, tout est au bête. Vous venez, la question de l'assassinat et président Jovenel Moïse, là, donc qui parle plonger PIA, nous, carreau, et là, où va venir nous, car dit ça, pour nous conscient de ça, si ce n'est pas grâce à notre premier ministre, ancien premier ministre Claude Joseph, après la mort, président, qui était déclaré tout bagage sous contrôle, et qui permettent que nous traversions l'étape ça. Et vignes sous Ariel Henry, nous avons dit que bah, la vigne dégénérée totale. La vigne dégénérée. Donc, Ariel Henry n'a pas de contrôle pays. Ils sont fait normal pour pas de contrôle de ça. Bon, c'est normal. Tout va échapper. Bon. Moi, j'aime toujours dire avec une série de jeunes, que j'ai toujours fréquenté, mais toujours dire qu'il faut pile et fort pour que de toute façon, la vie ne pas mener pour que vous mène la vie. Donc, vous confirmez pour nous matin, Job et département, ou t'as cap dit, plateau central, c'est déjà toute population, en majeure partie, déjà rejoint Bessap et vous solidaire avec mouvement Jean-Tel Joseph Guy Philippe là. L'éclair que population plateau central là rejoignent monsieur parce que moi je veux dire que comme jeune qui dans département cap fait politique dans département nos démonstration qui fait là on monde pas cap banaliser donc population était dans la rue Bessap était à la tête à côté dans mi-temps. Ah oui, bonjour Bessap et va dire côté dans manifestation rien mais ni devant. Mais yon nan mitan moun yo, et yon bon quantité qui mette Jean-Tel nan mitan. Est-ce que ou ka fait pour nous, Job, ou ka font évaluation d'effectif là, ou ka bon ou ide? Ah, mon cher, ça non. Fait ouais, c'est plusieurs milliers. Plusieurs milliers, Bessap? Non, non, c'est pas moun yo, nous parlez Bessap, oui? Vraiment, plusieurs milliers moun. Bessap, agent Bessap, oui. Plusieurs milliers agent Bessap? Non, non, il n'y a pas plusieurs milliers d'agents de ça. Non, je ne parle pas d'agents. Yo. Alors, okay. Évaluation de mandat de nombre d'agents, vous pensez, alors, dans ce tab gardé qui. Bien, parce que je me garde, c'est sûr que c'est des uniformes qui mouent la question de ça hier, qui pas moune ville là. C'est pas des sables qui n'ont des partenaires, et forcément. Donc, mais il y a environ 100. Ok. Tu as un certain agent là dans la manifestation. En tout cas, merci en pile, Jov. Merci en pile que vous avez accordé un petit temps pour nous faire parler ça. Et nous certains que nous allons retourner avec vous à tout moment et que nous allons nous des flashs, des informations, des si gagnent évolution dans le département. Merci en pile. Oui, Robin, c'est bien intéressant et moi-même, je suis content pour que de toute façon, tu participes ensemble avec nous. Mais Robin, je suis fini pour que de toute façon, moi aussi, étant que j'ai un garçon qui vit dans le plateau central, il faut que le pays s'aligne pour l'autre direction. Parce que Jean Bagayoko pour aller là, Robin, il n'est pas bon et je pense que faut que M. Ariel Henry tende la raison pour comprendre que le pays a très mal dirigé. 7 février, il faut que de toute façon plier les bagages. Là-bas, bah, elle a compliqué. Hier, c'est une grosse mobilisation, manifestation. Population, tu prends la rue, accompagnée de Bessap. Et Bessap, et nous connaissons en pile, tu même prends la rue. Ya, et avec Jean-Tel Joseph, qui nous connaît, qui joue une révocation hier par le gouvernement Sakila. Et qui a même une situation compliquée, qui clairement prend position. Et demandé à tout agent Bessap, rejoindre dans son seul côté. Non, et plateau central là, yo même tout. Pendant que je dis à Guy Philippe, gérer Grand Sud là, et selon DGA, yo gon va que yo va le faire là. C'est Grand Nord avec Grand Sud qui a rencontré dans la capitale. Suivez du lundi au vendredi, de 8h à 10h AM, Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole Masla Palé, côté lumière briller tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ses éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.